Alors nous sommes maintenant sur le stand Samsung. Alors c'est un peu particulier, je le présente tout seul. Alors pour deux raisons. Tout d'abord, il y a beaucoup d'évolutions produits, donc on va quand même les montrer. Et en fait, nous avons, nous, Defitech, monté des cuisines. C'est pour ça qu'on a notre petit logo ici. Alors, petite explication au niveau des cuisines. C'est une marque italienne qui s'appelle Arredo Tre que nous avons monté ici. Alors, la particularité, tout d'abord, nous avons un plan de travail de 18 mm d'épaisseur. Tout à fait particulier avec un effet pierre. C'est bien du stratifié. Et ce sont des portes en phénix. Alors le phénix, c'est un stratifié avec une nanotechnologie extrêmement robuste et qui a ce toucher soie. Et évidemment, le noir est extrêmement tendance. Donc on a fait en fait des cuisines très modernes avec un évier noir, une taque noire, etc. Donc la particularité ici chez Samsung, c'est plusieurs choses. Ça se développe très fort. Tout d'abord, tout ça est connecté dans la maison Samsung. Complètement dans la maison Samsung. C'est-à-dire que la hotte est connecté, la TAC est connectée et Samsung se développe par des fours avec toutes les fonctions à l'intérieur que vous pouvez trouver. Et également, et c'est là qu'on voit que la marque se développe quand même très très fort, même des chauffe-tasses et des fours de 45 cm. Donc on est vraiment sur une gamme de plus en plus développée. Et juste après qu'on ait libéré la place, on va aller voir le tout nouveau frigo hub de chez Samsung ici. Alors ça, c'est le family hub, celui-ci connecté à internet. Alors Benoît, à mon avis, tu vas devoir faire le tour pour pouvoir filmer l'intérieur. Donc tout ceci est avec un écran complet, on sait accéder à tout. Et particularité également, nous avons en fait à l'intérieur ici des caméras à l'intérieur de votre frigo qui vous permettent en fait de consulter l'intérieur de vos frigos via une caméra et de savoir si vous êtes, quand vous êtes à distance, quand vous êtes donc en dehors de chez vous, de savoir ce que vous avez à l'intérieur de votre frigo. Donc, on va, pour ne pas trop dérégler, donc on va juste faire, on a un whiteboard donc pour écrire la liste des courses, on a évidemment accès à toutes ces applications, voyez, le contenu de votre frigo à l'intérieur, donc on est vraiment sur un immense panel complet. Alors si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux, on a vraiment, c'est un accès extrêmement facile. Outre l'utilisation du frigo, on a vraiment, c'est son téléphone directement mis dans le frigo. Donc ça, c'est la très très grande nouveauté de Samsung, c'est ce fameux frigo Family Hub, absolument magnifique et très très bien éclairé. Alors on va continuer, on va aller voir le fameux four 2 en 1. Sorry. Alors, grande nouveauté, personnellement installé ce four, Dual Cook Flex. Alors, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous avez un grand four et un petit four. Alors, c'est un four tout à fait normal tout d'abord. En fait, ce que vous avez, c'est une plaque en fait. Vous avez simplement une plaque ici que vous savez enlever. Donc vous avez utilisé un four tout à fait normal, de plus de 70 litres à l'intérieur. Vous avez donc deux ventilations, donc soit une petite capacité au-dessus, soit un four complet. Ça c'est pour le fameux Dual Cook Flex de chez Samsung. Attention Benoît, à la marche ici. Chez Samsung, évidemment, tout est connecté. Ces cuisines sont également montées par Defitech, on peut quand même le signaler. Petit plaisir quand même, on regardera quand même l'intérieur des tiroirs qui est quand même non pas blanc mais grisâtre, qui donne un effet extrêmement beau dedans. La hotte avec le tableau noir, et ils ont évidemment sorti donc cette fameuse flex complète zone rectangulaire qui permet de cuire des grandes casseroles dedans. Et si vous le voyez, grand plaisir ici, vous voyez que la taque est en fonctionnement car vous avez le dessin des flammes en fait qui se fait sur la casserole. Vous avez en fait trois grandes lignes, la Chef Collection, la Black Stainless Steel. Alors, on a quand même apprécié ceci parce que vous avez donc des fours avec un effet noir ici dans l'inox. Les fours, ce sont des fours multifonctions évidemment. Et vous avez une hotte noire avec le cache de buse noir ici. Donc, dans la ligne Black Stainless Steel Line, on a la Chef Collection, la Black Stainless, donc tout est noir. C'est pour ça donc, que les cuisines ici sont évidemment en noir, les fours noirs, le cache de hotte noir. Et
la Contemporary Line. Ici, particularité, grande gamme de frigos, évidemment, en 1m20 chez eux. Et une hotte avec du verre, prix relativement sympa et abordable chez eux. Alors chez Samsung, on ne peut pas partir sans montrer le fer de lance de la marque, évidemment. On les a vus monter, donc des frigos américains très très modernes. On n'est plus forcément dans des frigos américains d'entrée de gamme, etc. Ils ne font pas que ça. Donc on a vraiment une très très large gamme de produits. Et donc un design unique, totalement plat et extrêmement moderne. Et la dernière chose que je souhaiterais vous montrer à ce sujet-là, c'est ce fameux lave-vaisselle que nous avons monté. Il a un bras de lavage particulier. Voilà ce que nous avons monté pour Samsung avec la waterfall derrière. Donc, qu'est-ce qui est révolutionnaire ici dedans? C'est donc le système d'aspersion. C'est le waterwall de chez Samsung. C'est pour ça que le slogan c'est Perfectly cleans dishes in every corner. Donc ça veut dire une vaisselle propre dans tous les coins. Vous avez non pas une hélice qui tourne, mais un bras qui va coulisser sur un axe et venir laver la vaisselle dans tous les coins. Et donc, vous assurez une vaisselle propre pour cet appareil. Alors voilà, vous l'avez vu, les cuisines montées par notre magasin. Donc, je rappelle, en quelques mots, on a tout fait ici en Phoenix, cette fameuse matière Phoenix que vous retrouvez exposée chez nous en magasin. N'oubliez pas ce fameux four 2 en 1, c'est très certainement nous allons l'exposer. Parce qu'il est vraiment original et de très bonne qualité. Et ce fameux frigo Family Up avec ce grand écran. Alors maintenant, on continue les visites du salon de la rénovation de la construction. C'est parti.